Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Je vais vous dire une anecdote pleine d'enseignements. C'est une histoire vraie, de bout en bout, même si je vais user de pseudonymes pour évoquer les noms des pays et des acteurs concernés. Dans un tout petit pays, appelons-le le Mahgoristan, occupé avec la complicité de toutes les grandes puissances par Afghanistan, qui a réduit le pays conquis par la force brutale à une portion congrue, même pas le 50e de son territoire initial, une sorte de prison à ciel ouvert. Mais le pays conquis a tout de même réussi, avec les vifs encouragements de l'occupant, à créer une sorte de gouvernement fantoche pour tromper les opinions publiques internationales et les laisser croire que l'oppresseur était le plus humain et le plus démocratique du monde entier, ou à peu près. Le gouvernement fantoche de Mahgoristan jouait avec brio le rôle qui lui avait été dévolu, avec force, fanfare et autres tapis rouges. Je ne vais pas m'éterniser dans les détails, mais je voulais juste situer le contexte pour pouvoir vous raconter la petite histoire en question. Un jour, Afghanistan a eu besoin d'accaparer d'autres territoires du Mahgoristan, dans le petit mouchoir de poche qui restait. Mais comme il voulait que ça se fasse avec la complicité du gouvernement fantoche de Mahgoristan, il demanda à celui-ci de venir négocier avec lui, zama, les dispositions qui étaient déjà prises par ailleurs. Il avait besoin de faire concis, zama. Le gouvernement fantoche était très gêné. Il avait l'habitude de collaborer avec l'oppresseur en échange de gros petits privilèges en catimini. Mais là, c'était trop flagrant. Il risquait de compromettre le très peu de crédit qui lui restait. Alors un ministre de ce gouvernement fantoche eut une idée à laquelle personne n'avait pensé. Il proposa à l'oppresseur, à Afghanistan, d'attaquer son pays, d'attaquer le petit pays Mahgoristan, et de faire de nombreux prisonniers parmi la population civile, qui devront être incarcérés pour terrorisme. Ensuite, après avoir acheminé la population et détruit toutes ses infrastructures, Afghanistan devra appeler au dialogue, lui avait dit ce ministre génial, Afghanistan devra appeler au dialogue avec Mahgoristan pour trouver des solutions. Des solutions d'apaisement. Et à ce moment-là, affirma avec un sourire en coin notre ministre machiavélique, son gouvernement, fantoche, répondrait que d'abord, il condamne la lâche agression et qu'il n'accepterait de négocier que si l'oppresseur libérait les prisonniers qu'il avait faits. Et c'est exactement ainsi que ça se passa. Afghanistan libéra les prisonniers qu'il avait mis au frais pour la circonstance, et le président du gouvernement fantoche fit un discours historique dans lequel il affirma qu'il avait réussi à faire revenir au bercail les enfants du peuple qui avaient été ravis à l'affection des leurs, et qu'il allait les recevoir personnellement, et qu'il marcherait sur son meilleur tapis rouge, et qu'il les gaverait des meilleurs petits fours de la présidence. Les concessions qu'il fit à son maître, à celui qui broyait son peuple, furent glissées sous le tapis rouge. Le hadith qiyas ou le fahm yifham. يما كثري من داوي ولادك راهم خارجين
يمشي وعلى الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيز ويجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش الشعب Algérie, front du refus et miaulement dialoguiste. Excusez du peu, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Nordine Aoussat, écrivain universitaire. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamal. À côté de vous, Mohamed Khalfaoui qui nous vient d'Algérie, Mohamed Khalfaoui, ex-officier supérieur de l'ANP. Marhaba bik, c'est Mohamed Khalfaoui. Barak fik, merci de l'invitation. Merci. Alors, notre ami Idir Ounourn, analyste politique, merci d'être avec nous, c'est Idir. Merci, monsieur. C'est bien, si, hein, ça. Salut pour changer un peu. Les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord écouter une déclaration de monsieur. Comment il s'appelle déjà? Nouveau président. Ah, Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune qui va nous dire quelque chose. Écoutons-le. أتوجه مباشرة للحراك الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك إذن ومن خلال هؤلاء أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط هذا الحراك الذي انبثقت منه الآليات آليات الحوار وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مما أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري. Alors, Monsieur Tebboune, donc qui dit Hirak Moubarak, hein, il a bien raison parce que sans lui, sans le Hirak, il serait encore à la 36e périphérie. Hein, c'est... Voilà. Alors, il nous dit aussi, je tends la main pour un dialogue JED, comment on peut traduire? Réel. Constructif, c'est-à-dire responsable. Responsable. Ouais, jadia, voilà. Efficace. Dans la main pour un dialogue. Sérieux, là, voilà, et dit, par contre, il dit quelque chose qui est un peu contradictoire. Il dit, Alhamdoulilah, l'Algérie rejette le sekat sharia. L'Algérie est revenue dans le rail de la légitimité et de la légalité. Alors que lui, il était dans cette Algérie qui n'était ni légale ni légitime. Ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est la schizophrénie à ce niveau-là. C'est... Alors, aussitôt qu'il a lancé cet appel de dialogue, et beaucoup de gens ont compris que c'était une des meilleures méthodes pour diviser le dialogue, le Hirak. Parce qu'au sein du Hirak, il y a beaucoup de gens, des opportunistes, de tout poil, des gens qui savent surfer sur la vague et tout, qui vont sauter sur l'occasion, et, au nom du Hirak. Et donc le Hirak ne va pas accepter, ça va soulever des polémiques, en tout cas, et c'est pain béni pour le régime, qui va trouver là le meilleur moyen de diviser le Hirak. Alors déjà, d'ores et déjà, il y a certains partis et certaines personnalités, et certains même hirakistes qui ont commencé à ruer des quatre fers, mais dans le sens du régime, hein, pour dire,
Alors, pour que ça fasse bien, il commence par dénoncer le. Nous dénonçons cette fraude électorale, ce bourrage. Mais après, il reconnaît qu'il y a nécessité de dialoguer. On n'a pas le choix. On ne peut pas être nihiliste au point de tout rejeter. Ce front du refus ne peut pas être. Et puis ils disent, mais on accepte d'y aller à condition. À condition. Je ne sais pas si vous avez suivi la petite anecdote que je vous ai racontée. Mohamed Khelfawi n'était pas encore arrivé. C'est dans un petit pays où quelqu'un, un gouvernement fantoche qui collabore avec un État qui l'occupe, quand l'autre a voulu négocier, il lui a dit, écoutez, pour que je puisse négocier avec vous, venez nous bombarder et arrêtez 500 personnes. Et après, quand ils seront chez vous, nous, on vous dira, d'accord, on accepte de négocier, mais vous libérez les 500 personnes. Vous voyez, donc c'est une anecdote vraie. Hein. Mais donc, on est là. Donc, tout le monde est en train d'enfourcher le dada des détenus politiques pour dire, oui, on acceptera de négocier, mais à condition que vous libériez les prisonniers politiques, etc., etc. Donc, voilà, premier sujet donc, sur la table. À vous, messieurs, à qui la parole, qui se lance? Ce qu'il faut retenir et observer, c'est que le chef d'état-major a célébré la victoire de M. Tebboune, mais il a grand bien lui fasse. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il a célébré sa victoire contre son propre peuple. Oui. C'est ça l'essentiel, oui. C'est-à-dire avec un cynisme et une condescendance qui ne dit pas son nom. Quant à la main tendue de M. Tebboune au Hirak, il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils aient la hauteur de vue nécessaire pour comprendre que ce Hirak ne peut pas négocier, puisqu'il trouve déjà illégitime l'élection de M. Tebboune, l'élection en elle-même. Pour plus de cohérence politique, ils ne peuvent pas. Et l'état-major, qui a pendant 10 mois, on a écouté les discours de M. Gaïtz à la suite aux marches du dimanche, du vendredi, pardon, du mardi, sur les éditoriaux d'El Jaïch. On faisait l'exégèse de ce qu'il disait. Il ne pouvait plus durer, on avait même dit sur le plateau. On ne sait même plus si c'est la parole singulière de M. Gaïtz Salah ou est-ce qu'il parle au nom de l'état-major, ce qui pouvait entraîner le démembrement de la cohésion de l'état-major. On le disait, là. Il faut dire que je m'adresse aux camarades du PAD, à toute la société civile, à ceux qui sont considérés à juste titre comme personnalité nationale, de ne pas accepter de dialogue dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Ce serait une incohérence politique, puisque le peuple ne voulait pas ces élections-là. Le peuple demande une transition. Et on ne peut pas aller avec M. Tebboune, président de la République, dans les conditions et l'environnement qui ont présidé à son élection, on ne peut pas aller vers un dialogue. – Le peuple voulait une transition pour organiser des élections qui ne soient pas organisées par le régime. C'est ça que le Hirak a rejeté, la nuance. – Juste pour terminer, la cohérence politique voudrait que… Et là, on va parler de l'armée, on a la chance d'avoir un officier supérieur de l'armée, de manière très responsable, hein, je vous rassure. Le rôle de l'armée, le cœur nodal, là. Monsieur Gaïd Salah nous a proposé une solution politique qui ne rentre pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est le premier élément. Et il nous propose qu'une seule solution avec aucun contenu politique sur lequel les citoyens algériens ou la société algérienne pouvaient éventuellement cautionner à des degrés divers. C'est ça l'essentiel. Et puis l'armée ne pouvait plus rester sur le long cours en face du Hirak. Il fallait trouver un filtre. Ce filtre, c'était un président de la République. Il se trouve que c'est Monsieur Tebboune. Mais ça ne règle pas les problèmes, ni dans le fond, ni dans la forme. À plus forte Parce raison. Que l'armée est un outil du pouvoir politique à plus forte algérien. Raison, c'est un outil. À partir du moment où on dit que c'est un outil, à quel niveau je parle sous le contrôle de notre officier supérieur, le problème, c'est quoi aussi? Quelle est la subordination de l'armée au pouvoir politique? Dans quelles conditions ça se fait? Vous voulez dire l'inverse? Oui. Quelle est la subordination du pouvoir politique à l'armée? Non, si on parle d'ordre général. C'est-à-dire, ouais. L'armée, quand est-ce qu'elle va être subordonnée au pouvoir politique? Tout en gardant ses prérogatives. Comme vous voyez l'armée, juste je termine, monsieur. Oui, bien sûr. L'armée, elle est en vase clos dans tous les pays du monde. On prend notre armée. Ils ont leurs hôpitaux, ils ont leurs médecins militaires, ils ont leurs écoles, ils ont leurs usines. Ils ont la décision politique. Oui, mais c'est là où j'ai dit, c'est l'un des premiers instruments du pouvoir politique. C'est toutes ces questions-là qu'il faudra ramasser. Et rappelez-vous, M. Benchnouf, quand moi-même je l'ai dit au tout début du Hirak, qu'il fallait arriver vers un compromis historique entre le Hirak, les partis politiques étaient véritablement dans l'opposition, bon, il y a des nuances d'appréciation, et l'armée. L'armée n'aurait jamais été à un dialogue avec les partis politiques.
Jamais elle ne l'a accepté. Il l'a dit, moi je ne négocie pas, moi je ne suis pas parti prenante. Maintenant l'armée à M. Tebboune. Alors, Mohamed Dihiaoui, justement, une question que vient de poser Dirun Nouren. Gaïd Salah, est-ce qu'il parle en son nom ou est-ce qu'il parle au nom de l'état-major? J'allais dire à quel propos? Vous allez dire? J'allais dire à quel propos il parle en son nom. Quand au il nom fait de des discours. Major. Il a fait plus de 50 discours depuis le 22 février. Oui, c'est-à-dire que ce qui est constaté depuis donc les problèmes posés par certaines personnes dites Essaba, etc. Donc on a assisté à un certain branle-bas de combat où les gens sont accusés de ceci, cela, à tort ou à raison, beaucoup plus à raison étant dans les explications qu'à tort. Mais le Hirak démarré était bienfaisant du fait qu'il justifiait un peu de certains actes, certaines choses. Et ce qui a été constaté, ce qui était frappant, c'est ce retrait du politique pour mettre un peu au front l'institution militaire. L'institution militaire qui se déclare ouvertement, donc, d'abord partie prenante, c'est une évidence, et ensuite pratiquement tête de file. Tête de file, et ça, avant, on ne le constatait pas, c'est-à-dire que même certaines décisions, telles que par exemple la proposition ou l'ordre de mener des élections présidentielles le 12, mener d'ailleurs à pas cadencer, ceux qui sont contre sont comme avant, donc on n'est pas sorti des méthodes anciennes. Oui, donc l'invective, le doute sur des personnes, etc. Certaines manipulations également. La main étrangère. Et oui, donc on n'était pas sorti de tout ça, alors que, en fait, après tant d'années, et surtout l'expérience cumulée depuis les années 60, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs présidents se sont succédés, et comme par hasard, chacun en fin de règne constate qu'il aurait dû écouter ou changer ou apporter des réformes. On nous dit que Boumedine aurait prévu un congrès. Oui. Chedli demanda à son époque un troisième mandat. Bouteflika voulait une rallonge. Zerouel démissionna en pleine bataille. Et les mêmes crises se répètent et se ressemblent. Et on n'a pas encore tiré les conclusions pour mettre le pays sur rail. Aujourd'hui, on assiste à la même chose. C'est une élection contre laquelle tout un peuple ou une grande partie du peuple s'oppose. Le peuple ne s'opposait pas à l'élection en elle-même, en fait. Absolument. Dans les conditions dans lesquelles elle se tenait. Le pouvoir demandait des élections, le peuple demandait des élections. Le pouvoir demandait un panel, le peuple demandait un panel. Le pouvoir demandait donc une autorité, etc. Et le peuple demandait la même chose. La différence est que les hommes, finis vos habitudes de mettre votre administration pour désigner le président. Et là, le peuple ne demandait que ça. On va y aller, mais pour avoir un président élu qui aura donc les coups des franches, et surtout avec l'engouement et la prise de conscience formidable, parce que, en fait, le pouvoir n'a pas perçu la portée sociologique et politique de ce peuple en éveil. Une jeunesse qui le dit. Le problème, Mohamed Dihiaoui. Khalfa, oui. Pardon. Mohamed Salah, oui, c'était. Je passe mon temps, rassurez-vous, je passe mon temps à me tromper. À faire des bêtises. À faire des bêtises. Alors, le problème est que tous les Algériens savent que cette présidence est une fraude la plus massive depuis l'indépendance. Oui. Tous les Algériens ont vu de leurs yeux. La différence, par exemple, entre les foules des manifestations du Hirak qu'on voyait à la télévision, dont eux-mêmes nous disaient qu'ils sont au maximum 700 ou 800 000. C'est le régime qui le disait. Hein. Nous, on voyait des millions de gens. Ils nous disaient non, non, nous avons fait nos comptes. Depuis l'hélicoptère, ce sont au maximum quelques centaines de mille. D'accord. Mais en tout cas, eux disent qu'il y a eu 10 millions de votants. Or, on ne les a pas vus. Personne ne les a vus. 10 millions de votants, ça se voit. 5 millions de votants pour le seul Tebboune. 5 millions de voix.
et qu'on n'a pas vu. Alors, le problème est que tout le monde sait maintenant que c'est à peu près le même taux que dans la diaspora. Le vrai taux de participation est d'environ 8%. Ils l'ont gonflé jusqu'à 40%. Et là, il se comporte comme s'il avait vraiment été élu. C'est plus que de la schizophrénie. Vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport à M. Khalfaoui, là, qui s'est exprimé tout à l'heure. Le peuple, la société, le Hirak, la révolution, ce que vous voulez nommer là, elle veut des élections, mais elle veut une transition avant les élections. Et vous avez omis de le dire, tout simplement. Ou alors, vous allez plus loin. On va dire une chose. Il y a le peuple qui demande donc, à aller vers des élections honnêtes, libres, respectables. Oui. Et il y a d'autres éléments qui se sont, d'autres idées qui se sont greffées. Par exemple, lorsqu'on vous dit Conseil constitutionnel. Non. Au Conseil de sécurité. C'est surtout le FFS qui le demande. L'Assemblée constituante. Mais c'est de story. Par exemple, ce sont des demandes de certains partis. Moi, je dis, lorsque ces partis arrivent au pouvoir, ils n'ont qu'à faire ça. Mais aujourd'hui, nous avons déjà ce qui est partagé, ce qui est souhaité. Nous, on va aller vers un président. Vraiment élu. Élu. Et légitime. Choisi, qui aura la force de faire. Absolument. La force de faire avancer, la force de s'opposer, etc. Et de prendre, il sera l'émanation de la volonté populaire. C'est-à-dire que cette volonté populaire, cet engouement, cet élan, sera derrière lui. Absolument. Parce qu'il sera élu, démocratiquement élu. Le peuple, s'il lui ordonne, s'il lui demande de serrer la ceinture, le peuple n'hésitera pas. Parce qu'on aura responsabilisé le peuple. Vous avez choisi, vous êtes responsable. Absolument. C'est nous l'aurons impliqué dans ces. Il aura repris ses attributs. Mais nous sommes loin d'être dans cette situation. Oui, il aura. Ben, écoutez, ce que je pourrais dire, la première des choses, c'est que M. Tebboune, il parle de Hirak, il s'adresse au Hirak, mais le Hirak, ça fait déjà 10 mois qu'il parle. Ouais. C'est-à-dire qu'il a tout dit, le Hirak, il a montré ce qu'il voulait. Allez, il a montré. Ici, on veut résumer en quelques mots les revendications du Hirak. Le Hirak, il n'est pas né de façon spontanée, mais c'était l'aboutissement d'une accumulation... de constats, de frustration, de colère, de peur que l'Algérie sombre totalement, soit elle va imploser, ou soit elle va exploser, ou elle était de toutes les manières hors de l'histoire pendant des années, un mandat tout entier, où un président n'a pas dit bonjour, salam alaikum, à tout un peuple. Donc, quand le 22 février, ils sont partis, c'est pour quelle raison? Parce que le pouvoir, le système dans son sens, je dirais, politique, a montré qu'il est capable de, comme si vous avez un pilote et un copilote qui ne s'entendent pas et qui sont prêts à rester dans leur entêtement, à se chamailler, quitte à naufrager tout un avion, le passager avec ça. C'est ce qui s'est passé. Quand arrivé la fin de 2018, les partis constituant le pouvoir, les clans, hein, parce qu'on le sait, n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils ont toujours pu trouver, cet équilibre provisoire, ils ont été à reconduire un candidat qui était complètement impotent, moribond, qui allait faire tout pire qu'en 2014. Il n'allait pas déposer lui-même sa candidature, il n'allait pas faire sa campagne. Et le peuple lui a dit basta, ça y est. Maintenant, pas de mandat, cinquième mandat, il n'en est pas question. Et je rappelle, je vous arrête juste là, je vous rends la parole. Oui, bien sûr. À ce moment-là, Gaït Salih, le chef d'état-major, à ce moment-là, où le peuple a dit non pour un cinquième mandat, il a dit il passera coûte que coûte le cinquième mandat. Absolument. Il a traité ceux qui s'opposaient au cinquième mandat de Essaba et de Yid al-Kharijiya et de je ne sais pas quoi.
Et quand il n'a pas pu, quand il a été dans l'obligation d'abandonner, il a proposé une prolongation du quatrième mandat de M. Bouteflika. Et il a fait invalider les élections d'Ordéré et les autres. Faut le rappeler pour l'histoire. Et c'est très bien d'avoir souligné tout cela, parce que c'est important. D'avoir souligné tout cela. C'est-à-dire ce qui s'est passé à la fin 2018, là, on est en train de le vivre. Mais on oublie qu'il y a eu le Hirak entre-temps. Ouais. C'est-à-dire Tebboune, qui allait être le candidat du consensus, fin de, si consensus il pouvait y avoir, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Parce que les trois pôles constituant le pouvoir algérien, le DRS, la présidence et l'MDN, l'armée, ne sont pas arrivés à trouver ce consensus. Ce qui est arrivé maintenant, c'est que le DRS est parti, la présidence est partie, il reste l'armée. Donc on est arrivé dans la pire des situations. Mais l'armée, elle a réussi à se refabriquer une autre façade. Parce qu'à un certain moment, elle était nue, absolument. Elle était face, à partir du moment où il n'y avait plus d'alternative. Ils ne se sont même pas cachés derrière Ben Salah, la façade est trop fragile. Ouais. Là, ils se sont créés une vraie façade institutionnelle que la même opposition qui était du côté du Hirak dénoncée est en train de vouloir négocier avec le produit, j'allais dire, de la fraude. Mais personne n'est dupe, Sidi Amaldine, personne n'est dupe. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Absolument. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas un problème de transition qui coinçait et qu'il fallait faire passer. Non, ce n'est pas une transition. C'est un système qui est arrivé à bout de souffle. C'est un système qui, ça y est, il a épuisé toutes ses ressources, il a épuisé toutes les combines, il est arrivé à fin. Et donc, il fallait un changement institutionnel. Les prérogatives du président qui s'est octroyé ne sont pas celles d'une démocratie. Ils n'ont pas. L'ancienne constitution, Et encore moins celle d'une démocratie populaire, puisqu'on est dans un système presque. C'est la constitution que M. Bouteflika s'était fait fabriquer sur mesure. Tout à fait. À deux reprises, d'ailleurs, qu'il a touché deux ou trois fois. Oui. Donc, ni la. Il a même corrigé puis remis en place. Par exemple, le deuxième mandat. Tout à fait. Ouais. Donc, si vous voulez, le Hirak l'a dit. Et c'est, je dirais, sa marque de fabrique. C'est sa principale revendication. Il faut un changement du système. Mais le problème aujourd'hui, le problème, c'est vous voulez dire quelque chose avant que je pose une question? Non, c'était pour rebondir sur ce qu'a dit Nourdine et M. Khalfawi. Oui. Mais allez-y, posez votre question. Allez-y, je la poserai après. Ce que je veux dire, ce que Nourdine a dit concernant M. Gaët Salah, il faut dire aussi qu'il y avait trois pôles. C'est vrai qu'avec le DRS, il y avait un état DRS sous le commandement du général Médiane, ça c'est un. Cet état DRS, il y a eu une dislocation un peu des services de sécurité qui sont revenus au niveau de l'état-major, ce qui fait qu'il a les pleins pouvoirs, M. Gaët Salah, et qu'il n'oublie pas, et qu'il ne peut pas s'exonérer depuis 2004 du bilan de M. Bouteflika. Il ne peut pas s'exonérer depuis 2004, il est tout aussi responsable. Ça, c'est le premier élément. Par contre, j'ai un désaccord avec M. Khalfawi quand il parle de partis qui veulent une constituante. C'est vrai que le FFS est depuis 1963. Ne vous inquiétez pas. Il y en a d'autres qui sont sur le processus constituant. Il y a peut-être des partis conservateurs qui ne veulent pas maintenant parler de constituante. Ce que je veux dire par là, on ne peut pas aller à des élections avec une loi organique qui a consacré des pouvoirs d'ordre divin au président de la République. Oui. Ça, c'est un. On ne peut pas aller aux élections avec un fichier électoral qui n'a pas été nettoyé. On ne peut pas aller à une présidence, à une élection du président de la République sans qu'on choisisse le régime présidentiel, semi-présidentiel. Qui organise les élections. Oui. La machine. Au-delà des côtés techniques de l'organisation des élections. Quel régime on va suivre? Quelles sont les propositions présidentielles, semi-présidentielles, parlementaires? Donc il faut une constitution d'abord. C'est des questions qui se posent. C'est à partir de toutes ces questions que les états-majors des partis politiques, la société civile, le Hirak, les intellectuels, les juristes vont se prononcer. Et après, il y a un référendum. Qui vous dit qu'on ne serait pas plus heureux dans un régime parlementaire? C'est toutes ces questions. Le problème de la nation. Moi, je vous dis honnêtement, je suis berbère, M. Khalfawi. Je ne peux pas laisser dans la Constitution quand ils disent « El Jazeera d'Arabia ». Pour moi, c'est un casus belli des temps modernes. C'est une déclaration de guerre.
Quand est-ce, dans quelle constitution au monde vous avez, où on a ethnicisé la terre? La terre algérienne, notre terre à nous tous. Je ne veux pas qu'elle soit amasie au détriment d'autres choses, mais au moins qu'on enlève ça. C'est ces questions-là qui doivent nous agiter pour le bien du pays. Et que l'armée redevienne à raison, comme a dit Mme Assoul, que l'état-major revienne à la conscience et qu'il prenne conscience de ce qui se passe vraiment dans le pays. Parce qu'ils sont en train, je suis intimement convaincu, qu'il va y avoir une radicalisation et qu'on va revenir vers des moyens. Regardez les moyens disproportionnés qu'a utilisé la police à Oran. Il faut le signaler. Nous allons en parler. C'est toutes ces questions, ouais. M. Khalfaoui. C'est pour ça qu'on doit passer soit par une constituante, soit par un processus constituant. Parce qu'il faut tout revoir. On doit redéfinir la nation. On a l'immense chance, juste je termine, excusez-moi, il y a une immense chance d'avoir eu, cette fois-ci, un nouveau socle. Et pour moi, c'est d'un deuxième lequel, au même quel titre socle, de le Hirak. Magnifique. Oui, du Hirak, un deuxième socle, et on a la chance. Un socle qui ne s'est pas, encore cristallisé. Oui, oui, coagulé, cristallisé, je suis d'accord. Mais on peut avoir cette perspective encourageante qui nous rend un peu heureux de se dire on va reconstruire un nouveau pacte d'union nationale autour de valeurs très simples qui sont la citoyenneté, le respect, la démocratie. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Certainement, vous aurez compris que je ne suis pas contre une transition. Ah non. Je dis seulement qu'il y a un passage. Au début, le peuple souhaite qu'il y ait, et d'ailleurs c'est un consensus national, même ceux probablement qui sont de l'autre côté. Je veux dire, l'autre partie de la population qui soutenait. Je suis certain qu'elle également souhaite qu'il y ait un vote. On aurait, pour une élection démocratique, on aurait rassemblé tout le peuple autour de ça, et c'est juste, je crois, que c'est l'ambition, le désir, le rêve de tout pouvoir de consolider la nation par ces liens qui sont vus tomber du bon Dieu. Pouvoir démocratique. Oui, non, de tout pouvoir qui souhaite que son pays avance. S'épanouisse. La question est pour moi qui me taraude depuis toujours, c'est que on n'a jamais pu, et au fil du temps la confiance a été rompue, quand on appelle au dialogue, ou là, quand on lance le Hirak, ensuite on oriente comme on peut, il y a tout ça. Voici un appel au dialogue, un énième dialogue. Rappelez-vous l'appel au dialogue de Bouteflika. C'était un gros mensonge ou alors un gros dribble. C'est-à-dire, venez, je vais vous donner de l'argent, on va... L'appel au dialogue du panel. On va vous réhabiliter, peu importe ceux qui sont morts, on va vous réhabiliter, mais nous, on reste au pouvoir. Voilà. Papoter entre vous. Aujourd'hui, il se presse pour appeler Hirak, comme vous l'avez. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est une manière de faire imploser, encore une fois, absolument, le Hirak. C'est une manœuvre. Mais alors qu'un président, sans peu mes soucis, pour mettre en route la mise en œuvre de son programme, c'est son gouvernement. À l'image du gouvernement, on va déceler vos intentions. Et là, vous pouvez appeler au dialogue si cela vous dit, mais les dialogues, nous en avons eu. Quel genre de dialogue, quel type de dialogue, personne n'a pu réaliser, en tout cas. Maintenant, passez à révision de la Constitution. Mais vous pouvez faire toutes les constitutions du monde, et puis on va venir pour oui ou un an. Mais l'armée vous dit, bon, c'est un état de siège et foutu. C'est pas ça. On peut faire toutes les constitutions. Donc, partir d'une élection propre et honnête, c'est dire que nous sommes la volonté politique d'un changement où la volonté politique d'écouter son peuple est établie. Oui, je dirais juste le plus grand dommage qui a été commis par ces élections, parce que c'est plus dommage qu'autre chose, c'est que le décideur, en l'occurrence Ahmed Gaïd Salah, il a agi en tant qu'homme de régime et de pouvoir et non en tant qu'homme d'État. Parce que s'il y avait la moindre conscience d'agir pour l'État, pour la nation, il n'aurait jamais pu rêver de trouver meilleure occasion que celle qui lui a été offerte par l'histoire. Cet élan populaire de toute la nation, toutes les couches, toutes les tendances, etc., qui demandait un changement. Bon,
Il y a des craintes, il y a des, je dirais, ces craintes-là, elles sont négociables. Mais le reste, le plus important, faire cette transition, il fallait s'en saisir et la réaliser. Lui, il a fait tout le contraire de cela. Le contraire aurait été étonnant. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est un coup d'État. Oui. Le fait d'avoir envoyé, d'avoir démissionné Bouteflika et d'avoir pris le pouvoir directement et d'avoir installé Ben Salah, puis de l'avoir reconduit de façon anticonstitutionnelle, d'avoir prolongé le quatrième mandat de façon anticonstitutionnelle. On ne le dira jamais assez. Mm-hmm. C'est un vrai coup d'État. Mm-hmm. Khaled Salah a pris le pouvoir par un coup d'État. Mm-hmm. En Syrie, c'est un coup d'État À partir du 9 juillet. Oui, voilà. Et donc, ne pas agir dans le sens du coup d'État aurait été étonnant. Il est dans son rôle, en fait. Il est dans son rôle, mais sauf que c'est un rôle très, très négatif dans le sens où l'institution militaire, elle n'a jamais été aussi fragile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Absolument. Contrairement aux apparences qu'on peut avoir. Moi, je pense qu'elle est très, très fragile. Il l'a mise dans une situation de fragilité patente. Oui. Alors, j'aimerais vous parler d'un commentaire que j'ai vu sur Facebook, d'un petit texte qui est apparu sur Facebook, qui m'a beaucoup plu. Non, deux, en fait, deux. Je vais vous le dire très rapidement. Et après, nous reviendrons au principal débat. Alors, quelqu'un a dit, OK, moi, je sais que Tebboune a été élu à 8%. Il a dit, je le sais très bien. C'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il dit. Hein. D'accord. Je sais que Tebboune a été élu à peu près à 8%, mais je prends acte de sa proposition, de sa main tendue. Mm-hmm. Je lui dis personnellement, il signe de son nom ce monsieur. Hein. D'accord. Je lui dis, j'accepte de dialoguer avec vous, à deux conditions. Vous avez promis de nous donner un gouvernement de jeunes âgés de 26 à 27 ans. Il a dit ça ? Il a dit ça, oui. Je vais nommer un gouvernement composé majoritairement de jeunes de 26, 27 ans, etc. Il lui a dit, c'est très bien, bravo. Mais moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez aussi la même chose avec l'état-major. Que vous choisissiez des généraux jeunes, qui soient en âge d'être dans un état-major, et que vous mettiez à la retraite tous les généraux ayant dépassé l'âge légal, d'après la réglementation, d'après la loi. Il lui dit, si vous faites ça, et si à côté, vous faites ce que vous avez promis à la télévision en direct, ça veut dire de rapatrier les fonds volés aux Algériens qui sont à l'étranger, y compris ceux des généraux, alors j'accepte de dialoguer avec vous. Ça, c'est un point. Mais là, je trouve qu'il y a une certaine démagogie, voire même infantile, parce que ce genre de déclaration... De qui ? Du blogueur ou de Tebboune ? Ah, le blogueur, il dit ce qu'il veut. On n'est pas dans une discussion. Ouais. D'accord. Non, dire je vais mettre des jeunes de 26 et 27 ans à la tête du gouvernement. C'est de la démagogie, parce qu'à 26 et 27 ans, peut-être qu'on n'a même pas terminé ses études, on n'a même pas fait. Si maintenant il veut se comparer ailleurs, ailleurs ils ont des institutions. Oui, absolument. Ils ont des profils. Ils ont des écoles à profit. Ils ont une expérience, c'est une expérience démocratique au sein des partis. Il y a une réelle opposition par la nôtre qui est étouffée continuellement. Soit vous êtes mouellet. Normalisé. Soit vous êtes. Les alliés du pouvoir. Soit vous êtes à l'intérieur du FLNRND, soit vous n'existez pas. Et si vous voulez exister, nous avons les moyens pour vous faire taire. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ouais. Et donc le jeune. Militants se forment, apprend. Oui, absolument. Et il va attendre lui aussi son tour si telle serait son ambition. La maturité. Là, aujourd'hui, bon, et puis il n'y a pas de norme d'âge. Chez nous, il y a la norme d'âge des vétérans, ils sont tous des vieux, soit ils veulent rajeunir par norme, alors que normalement c'est la compétence d'abord. Tout à fait. Que vous soyez jeune ou vieux ou moyen. Et après, si vous êtes jeune, c'est tant mieux. Mais c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Chaque séquence a ses ambitions et a ses hommes. Là, moi, je rejoins M. Khalfawi quand on dit que c'est de la pure démagogie. Quoi qu'on doit oublier ce côté-là. Oui. Alors, je vais en venir à cette question. Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure... Le deuxième blogueur. Le deuxième blogueur avait une proposition magnifique. Et j'espère qu'on y reviendra quand on parlera de Lorani, qui est en ce moment sous le harcèlement. On va dire pourquoi.
l'Oranie, c'est le coup de boutoir. Alors il a dit, le régime tente de nous diviser par tous les moyens et de désigner la seule Kabylie comme une sorte d'abside de fixation sur lequel de totem expiatoire sur lequel on déverse toutes les saletés. C'est le sionisme, c'est les chrétiens, c'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons, c'est les français, Hezbollah. Alors il a dit, moi je vous propose quelque chose, une initiative citoyenne. Nous allons commencer toutes les régions, on compose des groupes, des petits collectifs de 5-6 personnes, et chaque groupe invite un groupe de l'autre région et inversement. Et on se visite en groupe de militants, on va dans toutes les régions et on bouge et on fait connaissance et, là, et on va déjouer ce complot contre l'unité nationale à notre façon et de notre manière. L'unité nationale a été depuis les débuts. Oui. Depuis les débuts, elle a été mise à mal au moins, oui, pour ne pas parler de fracture. Donc, dès l'indépendance, on avait l'intérieur et ceux qui sont venus des frontières. Oui. Ensuite, après le coup d'État, il y a eu des fractures. Bon, certains ont appelé, les DAF, déjà au sein de l'armée, les DAF et les maquisards. Absolument. Nous avons eu ensuite les baptistes et les nationalistes. Absolument. Nous avons eu les intégristes. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est un peuple ou une masse populaire qui dit oui au pouvoir et l'autre masse, c'est le peuple maintenant qu'on divise. Oui, exact. Et là, je ne sais pas avec quel peuple ils vont travailler, ces gens-là. L'essentiel, c'est qu'ils le divisent. Ce qui est encore, pire que ça, c'est que, je m'excuse auprès de tout le monde, ceux qui nous entendent, qu'ils soient dans le pouvoir ou dans la rue, là, c'est lorsqu'on désigne cette chère, notre chère zone, notre chère aussi, qui est la Kabylie de tous les maux, c'est comme si vous êtes en train de valider les demandes de certains, quelques-uns, qui demandent la séparation. Absolument. C'est comme si vous voulez dire, ils vous laissent une seule chose à nous dire, ils ne sont pas de nous. Mais ils s'en servent. D'ailleurs, vous dites zouave ou je ne sais pas quoi. Zouave, c'est le mot à la mode. Le mot qui manque, c'est ils ne sont pas de nous. Et là, c'est on apporte de l'eau au moulin de ceux qui veulent couper les ponts. Et là, personne, du moins, de ce peuple algérien, conscient de la chose, personne n'acceptera ça. L'Algérie, c'est aussi la Kabylie, la Kabylie, c'est aussi l'Algérie. Et bien évidemment. Mais eux s'en servent comme d'un boutoir pour séparer le front. Là, on a parlé de ça lorsqu'on a dit les divisions. Alors, j'en reviens. Alors, donc... S'il vous plaît, je voudrais dire un mot. Bien sûr. Diviser pour régner, ça, c'est le propre des dictateurs. Bien sûr. Les démocrates, les présidents, les chefs, les responsables, ils veulent, c'est l'union. Ah oui ? Chercher à unir. Là, c'est une donation de Dieu. Eux, ils considèrent que l'union se fait contre eux. Eux, diviser pour régner. L'autre, réunir pour gouverner. Ah, absolument. Et la différence... Alors, juste, monsieur Michinoff, pour apporter une précision. Que les souverainistes et indépendantistes kabyles puissent exprimer leur désir, c'est leur choix. C'est leur choix, ils ne mettent en péril rien du tout. Mais leur droit à l'expression, ils sont libres de le faire à partir du moment où ils sont pacifiques. Le deuxième élément, c'est quand il dit que, M. Khafaoui dit, ils ont divisé le peuple. Moi, je suis au regret de dire que le peuple n'est pas divisé, parce que... Au regret. Les suffrages exprimés, pardon. Pas au regret de dire. J'ai le plaisir de dire. Non. Le bonheur. Oui, le bonheur, si vous voulez. Excusez-moi. C'est un peu la fatigue. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas divisé, parce que les suffrages exprimés pour M. Tebboune, qui sont de l'ordre de 8-9%, sont exclusivement dus aux corps constitués, leur clientèle habituelle. Et au bourrage. Et au bourrage, oui, évidemment. Bon, le bourrage est venu après les 9%. Et en plus, c'est complètement marginal. Mm. C'est marginal, c'est-à-dire que ça atteint c'est l'écume, la troisième, quatrième décimale. Par contre, et là où je vous rejoins, c'est que la nation doit être refondée. Ça n'a pas commencé simplement avec... D'abord, il faut exorciser. Je parle d'un ancien officier supérieur de l'ANP. Je suis désolé, moi, quand on me dit le djihtahrir, la dîne héritière de l'ALN. Je suis désolé, il y a l'ALN, il y a l'armée des frontières et l'ALN, ceux qui ont crapahuté dans les maquis de l'Arsenis, dans la plaine de la Mecquera. Mais là, c'est un autre sujet, mon cher Edir. Ça risque de nous entraîner. Alors, moi, vous allez me laisser poser la question. Il y a le discours officiel qui tente de diviser le peuple. Bien sûr. Il y a la réalité qui m'a laissé dire
que si on était allé vers une des élections démocratiques propres, on aurait uni et les uns et les autres. Tout le monde serait parti comme bloc pour élire son président. La question que je voulais dire, c'est que un président qui est censé être l'émanation de la volonté populaire et qui en fait se trouve être l'émanation de la fraude électorale. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi net. Mm-hmm. Jamais un président algérien depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, et Dieu sait qu'ils ont quasiment tous été un tant soit peu illégitimes. Voilà. Jamais un président n'aura été aussi illégitime. Jamais un président n'aura été élu par autant de fraudes, aussi outrancières, aussi insultantes, aussi provocantes, de façon directe, jusqu'au point où des hauts fonctionnaires de l'intérieur du régime nous contactent aujourd'hui, prennent langue avec nous pour nous dire qu'ils ont honte. Et que le jour viendra où ils nous livreront de très lourds secrets sur le déroulement de cette élection. Ouais. Croyez-moi, croyez-en quelqu'un qui vous parle sincèrement, j'ai eu des contacts avec des gens qui m'ont dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Ouais, alors, et donc l'émanation de la fraude qui vient, qui dit tendre la main, et qui sait très bien que ce qu'il propose va diviser le Hirak. Pourquoi ? Parce qu'au sein du Hirak, il y a des forces opportunistes. Il y a des partis qui ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Il y a des personnalités qui se disent politiques, mais qui ne sont que des maquignons politiques, qui vont se ruer dans le créneau au nom du Hirak. Et ça, ça va diviser grave. Donc, j'aimerais que nous puissions parler de ça, ouais, en échangeant à bâton rompu. Vous pouvez vous interrompre les uns les autres. D'accord. Voilà. Moi, je vais faire un parallèle avec un autre domaine qui se trouve être le mien aussi, l'économie. D'accord. Dans l'économie, la science économique, vous avez deux courants, hein, ce qu'on appelle les classiques et les autres. Les classiques, notamment Adam Smith, il a un concept très, très scientifique, théoriquement établi, etc., qu'on appelle la main invisible. La main invisible, c'est quoi en fait ? Ce n'est pas la main de Dieu, hein, mais c'est que les éléments, les consommateurs, les êtres humains raisonnent et se conduisent tous de façon rationnelle en recherchant leurs propres intérêts. Et les entrepreneurs, les investisseurs, les offreurs de l'autre côté aussi se comportent de façon rationnelle, chacun cherche son intérêt. Et cette confrontation entre l'offre constituée par des gens cherchant individuellement leurs propres intérêts et la demande d'eux-mêmes, on arrive à un équilibre. Beaucoup s'étonnent aujourd'hui du Hirak, comment il y a cette cohérence, parce que cohérence, il y a. On en parlait à l'instant, on n'est même pas arrivé à le diviser ni par la religion, ni par l'idéologie, ni par le régionalisme, ni par la langue, ni par rien, ni par les idéologies politiques, ni par les intérêts. Il est resté quand même compact malgré tous les coups qui ont été faits pour le diviser. C'est parce qu'il y a une cohérence, il y a cette main invisible, c'est que le peuple… Comme on dit, c'est dans l'air. C'est dans l'air et c'est aussi dans chacun. Chacun s'est senti à un moment ou à un autre, quel qu'il soit, et quelles que soient ses orientations et ses aspirations, touché par le danger de ce système. Donc, tous ensemble pour changer ce système, parce que ce système nous menace tous comme on est, et quel que soit notre. Et donc, c'est ça. Donc, le Hirak n'a pas vocation à avoir des représentants, n'a pas vocation à avoir des porte-paroles, n'a pas vocation aussi à avoir des représentants. Pour quelle raison ? Parce que sa demande, elle est claire. Ce système-là, il faut le changer parce qu'il est khlas, il est obsolète. Oui, mais si demain, il faut négocier avec l'armée. Si l'armée vous dit, OK, je reconnais que je suis le seul détenteur du pouvoir, et je reconnais que je dois restituer le pouvoir au peuple, et je reconnais que je dois m'asseoir d'un côté de la table des négociations. Qui va s'asseoir de l'autre côté ? 20 millions d'Algériens ? Non, certainement pas. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là. Si Jamal Din, vous vous souvenez bien, tu te souviens, les premiers temps, j'étais là, c'est Bonouaré en face, oui, mois d'avril. Oui, oui, je me rappelle. Quand j'appelais l'OSMO pour... Oui. Et je proposais même des manières de faire des représentants. Oui. Et pourquoi j'ai changé d'avis ? J'ai changé d'avis dès le mois de mai, j'appelais plus. Pourquoi ? Parce que pour avoir des représentants,
Il faut avoir quelqu'un avec qui négocier. Mais si l'armée demande, je dis oui, je négocie. Ce n'est qu'à ce moment-là. Ce n'est qu'à ce moment-là. Ah, d'accord. Où il y a nécessité. Nécessité, et à ce moment-là, on œuvrera et on trouvera une représentation. Et qui sera et vraiment une représentation démocratique. Il y a le fameux système qui fonctionne depuis deux siècles dans plusieurs démocraties, c'est-à-dire le jury populaire de la manière dont il est formé par le hasard, le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est un magnifique outil de désignation de représentants, bien sûr, avec des... C'est un sujet qui est très à la mode en ce moment et qui est sujet à débat dans plusieurs universités de très haut niveau. Très bien. Et après une expérience de plusieurs décennies, oui. Et même, je dirais, de deux siècles ou trois siècles, oui, de pratiques démocratiques, oui, oui, qui a montré ses limites. Edir ? Oui, par rapport à ce que disait Nourdine, moi, je ne pense pas qu'on puisse jouer le destin de la nation le destin d'une nation à la roulette russe, hein, c'est-à-dire au tirage au sort. Je ne pense pas. Non, mais c'est accessoire dans le raisonnement de Nourdine. Non. Quand il parlait... Non, c'est-à-dire, c'est accessoire, mais vous savez, le débat se pose. Est-ce que le Hirak doit s'organiser ou pas ? Oui. Donc, il a donné une méthode qui est respectable. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais à mon sens, je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode. Il y en a d'autres peut-être, mais elles seront évaluées, oui, ce n'est pas un souci. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Ordine disait, la difficulté pour nous qui surveillons, qui essayons d'être à l'écoute de ce que dit le Hirak et des autres aussi, c'est qu'on a des difficultés à capter la véritable demande politique du Hirak, au-delà de 5-6 points. Non, je ne parle pas avec le Hawga, le système, etc. Non, du tout. La demande du Hirak, elle est claire. Nordine, le système est obsolète, le système, ça y est, il a fait faillite. Tu prêches un convaincu. Oui, mais tu ne me laisses pas le temps de terminer. Moi j'aime bien qu'il y ait un échange comme ça. Non, mais c'est clair. Il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, quand je disais la demande politique, la demande idéologique du politique, parce que le dur, on va rentrer dans le dur. Il faut qu'on arrête de mettre la poussière sous le tapis. Le problème de la nation va se poser. Le courant que toi, tu portes dans ton cœur, politiquement, il aura des exigences. Le courant que je porte, il aura des exigences. Le courant que porte M. Khalfaoui aura des exigences. Il faut qu'on rentre dans le dur. Je termine. Mais tu me laisseras une parenthèse importante dans ton propos. D'accord. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter de mettre la poussière sur le tapis. On a retrouvé un socle commun de valeurs. On a retrouvé une fraternisation. Il faut à tout prix profiter de tout ça pour se voir et se dire les choses de manière apaisée. Il y va de... Moi, par contre, j'ai mes idées là-dessus. J'ai mes idées sur la diplomatie algérienne. J'ai mes idées sur la force stratégique de l'Algérie dans la Méditerranée, sur sa profondeur africaine, sur la doctrine militaire, sur la doctrine diplomatique, sur plein de choses. Et là, on rentrera dans le dur. Le souci, ce n'est pas de dire... Moi, je vais le dire, ça va choquer peut-être certains de mes amis. Moi, j'aimerais qu'on ne parle plus de courant islamiste. Qu'on parle de courant de pensée conservatrice, par exemple. Ça nous, déjà... Moi, je suis pour qu'on déclare l'État algérien un État de droit multiculturel. Toutes les tensions ethniques, toutes les tensions culturelles tombent. C'est toutes ces questions-là qui doivent nous agiter et ça va se passer dans la transition. Pour le moment, le Hirak, il est là, avec les valeurs qu'il porte et que nous partageons tous. Donc, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Nous devons répondre à la question que j'ai posée de ces gens qui se disent représentants du Hirak, qui sont en train de miauler le dialogue, de dire non, nous condamnons Agda, mais à condition, j'accepte de dialoguer. C'est très important parce que c'est l'objet de l'émission. Pour cette raison que j'ai insisté, ma première, ma deuxième et ma troisième intervention, j'insisterai sur ça, c'est que le Hirak, toute personne qui prétend être en connivence, être dans l'esprit, être, je dirais, dans la ligne du Hirak, Dans la main visible. Être dans la main visible, donc touché par le danger, le véritable danger qui aujourd'hui met en péril la nation, il ne doit pas raisonner de cette manière, attendre qu'on lui tende la main pour dialoguer, pour représenter. Non, il y a des conditions sine qua non. On parlera
des conditions sine qua non. Moi, des conditions sine qua non, c'est le changement. S'il n'y a pas, moi je dirais, le nœud, vraiment, le point, ce nodal de toutes ces ficelles, de tout ce système-là, c'est le processus de désignation. Si personne ne peut parler au nom du Hirak de son seul fait qu'il soit chef de parti ou personnalité absolument, politique. Absolument. Alors, nous allons donner la parole à Mohamed Hirak et puis nous faisons... Khalfaoui, allons. Désolé. Deuxième bêtise. Hein. Je suis parti sur ça. Carton jaune, Khalfaoui. Alors, sur ces gens qui se revendiquent du Hirak et qui annoncent la couleur, ok, nous voulons bien dialoguer à condition et ceci et cela. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je réponds rapidement avant de revenir à ce que j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Vous savez, nous avons attendu de l'élite, d'une certaine élite intellectuelle, l'élite du domaine de l'agriculture, l'élite du cinéma. Et nous avons vu cette élite comment se précipiter vers le panel pour offrir ses services. Nous les avons vus avec... Aujourd'hui, on voit la même chose. Ceux qui se déclarent rapidement, c'est dire, voilà, moi, je suis présent pour le dialogue amenez-moi au nom du Hirak. Parce qu'une fois que vous avez, c'est toujours le fait accompli comme on l'a vécu aujourd'hui. Mais ce Hirak, le Hirak Moubarak, le Hirak, lorsqu'il a commencé, il y a eu un moment d'émergence de certaines personnes. Mais ça n'arrangeait pas le pouvoir. Le pouvoir, je pense, c'est mes déductions, avait une peur extraordinaire de voir le Hirak chapeauté, orienté, encadré. Parce que demain, il va discuter avec une force et avec des hommes. Il n'aura jamais réussi son panel sans la direction du Hirak. Il n'aura jamais réussi son année sans la direction. Il n'aura jamais réussi les élections sans la représentation. Parce qu'on aurait eu un panel de dialogue réel, national, une autorité nationale d'élection réelle, voulue, donc indépendante, autonome et fiable, en tout cas fiable à un pourcentage acceptable. Absolument. Et on aurait eu le président élu pour passer à autre chose. Mais ça n'arrange pas, parce que pour lui, le pouvoir, le Hirak, il n'a plus le contrôle de Hirak. Tout à fait. Et j'ai vu de mes yeux, j'ai entendu mes oreilles, lorsque des personnalités, plus ou moins, disons, qui ont certaines ambitions, certains coups, qui rentrent dans la masse. Et j'ai vu de mes yeux un jeune qui sort sur la gauche avec quelqu'un qui avait le téléphone à la main, qui disait oui, telle personne est arrivée. Au moment où il raccroche, il sort, dégage. Et puis deux autres qui sont rentrés, dégage. J'ai compris que le pouvoir n'acceptera jamais l'encadrement du Hirak. Malheureusement, certains étudiants sont entrés dans ça. Certains responsables sont entrés. D'autres ont fait des déclarations où ils croient que non, le Hirak ne doit pas, parce qu'ils ont peur de ne pas être dans l'encadrement. Ces gens qui aujourd'hui sont en train de faire des déclarations très prudentes, hein. Ils font attention, ils sortent le bout du nez, puis ils montrent un petit peu patte blanche, puis ils vont et voient la réaction du Hirak. Mais ils sont en train de dire clairement, oui, nous irons au dialogue de Tebboune. Ils habillent ça, ils enrobent ça de chocolat, bien sûr, mais le fond de leur pensée est clair. Ils vont aller au dialogue, avec un monsieur qui vient d'être généré par la fraude électorale la plus massive jamais vue. S'il vous plaît, on va au dialogue. Lequel? Il ne propose aucun dialogue. Il propose le mot dialogue. C'est-à-dire, on va se rencontrer. En fait, c'est une manière pour gagner du temps. Comme l'avait fait Bouteflika. Pour fragiliser le Hirak. Fragiliser le Hirak, c'est certain. Dégonfler un petit peu, laisser ici. D'autres soupapes, quoi. Voilà, d'autres soupapes pour décompresser un petit peu et y aller. Maintenant, s'il y a un dialogue, moi je ne vais pas. À la limite, on ne va pas rester éternellement dans une crise, mais s'il y a une certaine honnêteté ou une certaine volonté politique d'aller vers ce que demande le peuple. Je ne dis plus le Hirak, ce que demande le peuple. Mais on ne voit rien. Il n'y a rien. Maintenant, le Hirak doit maintenir sa pression, sinon il va se soumettre au fait accompli. Alors, j'ai une question pour vous. Ce fait accompli. Une question très particulière. Merci. Je crois qu'il faut, dans ce cadre précis, il faut voir de la cohérence politique pour le Hirak. Le Hirak,
refuse ces élections, elle les rejette, elle ne reconnaît pas M. Tebboune comme président de la République. Oui. Il est inconcevable qu'il puisse aller dialoguer avec quelqu'un qu'il ne reconnaisse mais pas. Mais pourtant, il y a des gens qui annoncent déjà non, la couleur. Là, c'est un autre débat. Ouais. Vous l'avez assez mais dit c'est ça, dans ce votre débat. Édito. Oui, ce oui, débat. Oui, oui, ce ouais. débat. Mais ils n'auront jamais l'aval de l'immense majorité du Hirak. Et c'est des c'est entreprises. C'est pas une question d'aval, oui, oui, hier. Oui. C'est une question de diviser le Hirak. Oui, non, parce on que l'a l'objet, dit, ça, l'a jamais, l'objet de cette l'aval. Offre. Le panel n'a jamais eu oui, l'aval. Alors, l'objet de panel, cette oui. offre de dialogue, oui. l'objet principal est de diviser le Hirak. Oui, oui. Si des gens qui se revendiquent du Hirak répondent à cette demande, ça va diviser le Hirak. Ça va diviser à la marge, parce que l'essentiel vous dit, c'est-à-dire qu'on serait dans une incohérence politique la plus totale. Je vais vous dire une chose, le Hirak ne peut négocier qu'avec le cœur nodal du pouvoir. L'armée. Même, oui, exactement. Je ne reconnais pas M. Tebboune. Le Hirak vous dit, je ne reconnais pas ces élections. Il y a eu fraude massive. Regardez simplement certaines déclarations de l'étranger qui arrive, qui parle encore de transition, et, je etc. Je crois qu'on il y a une peut ouverture. Dépasser ça, vu oui. la constitution actuelle. Parce que pour l'armée, le ministre de la Défense, c'est le président. C'est lui qui demande. Oui, oui, tout donc à fait. C'est l'armée ah bah, derrière. Ah bah, dans ce cas-là, comme l'a dit M. Oui, mais Benchimouf, c'est le président. Qui est le ministre de la Défense. Oui, 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 mais c'est le président Fantoche. On est d'accord. Qu'il soit président ou président maréchal. Soit on suit dans le discours officiel, soit on suit. On est obligé de suivre le discours officiel. Dans ce cas-là, voici la réponse. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention de Edil, il a dit quelque chose de central. Avec laquelle j'adhère totalement, personnellement, oui, oui, oui. c'est que si nous devons négocier, pas dialoguer, oui. négocier avec quelqu'un, oui. c'est avec le vrai pouvoir, pas avec la façade du pouvoir. À plus forte raison que c'est une façade issue de la fraude. Et parce qu'on ne la reconnaît pas. Alors, j'ai une question pour vous avant oui. que j'oublie, et après oui. nous reprenons. Oui. Alors, Mohamed Khelfawi. Ah, bon. Pardon, hein. Cette fois-ci, c'est... parce que vous non, on se connaît, on a l'habitude de se parler au oui, téléphone, on se connaît oui. très bien, mais oui. je suis Alzheimer, je suis en train d'entrer doucement. Bon, alors, l'armée, mais vous êtes libre de ne pas répondre et je comprendrai parfaitement, c'est une question très difficile, c'est une question très difficile. À l'intérieur du commandement de l'armée, du haut commandement de l'armée, de l'état-major, oui. est-ce qu'il y a consensus pour continuer d'aller comme ça emmener ce pays droit au mur. Est-ce que les militaires, nous savons tous que tous les militaires, tous les hauts gradés de ce pays ne sont pas des corrompus. Bien au contraire. Il y a au sein de cette armée des hommes d'honneur dont nous savons qu'ils souffrent de cette situation. Est-ce qu'ils vont continuer? Et je ne suis pas en train d'appeler un coup d'État. Je suis en train d'appeler un sursaut, un éveil. Est-ce qu'il y a des hommes d'honneur dans cette armée qui acceptent tous à l'unanimité que nous aillons comme ça au mur et qu'on suicide tout un pays juste parce qu'une clique veut garder le pouvoir. Je vais vous répondre de manière tout à fait académique. Parce que là, vous dites, est-ce que l'armée de cet état-major ou ce ministère de la Défense, parce qu'il y a également les services à l'intérieur, accepte qu'on aille droit au mur? Dans votre vision, on va droit au mur. Dans la vision actuelle, en tout cas qui est dite dans les différents discours, au contraire, on veut sauver le pays avant qu'il ne sombre. Et là, si vous partez de cette réflexion ou de cette conviction, d'accord. il est évident qu'il faut serrer les rangs dans cette institution. De ma connaissance, l'institution, on peut éventuellement donner des points de vue sur quelque chose. Mais lorsque la décision est prise, il n'y a plus rien. Celui qui n'est pas d'accord doit sortir parce que l'institution militaire doit rester. Même si l'armée est l'otage d'une clique, même si l'armée est entre les mains de gens qui s'en servent pour régner sur tout un pays, pour le piller, pour le dévaster, pour le saccager, écoutez, pour l'emmener au mur. L'armée ou les armées sont toujours... Il y a une hiérarchie rigide. Oui. La tête de la hiérarchie, c'est elle qui dirige. Ou la conscience politique n'a pas droit de citer. Non, mais justement, c'est là la différence dans la vision. Pour eux, la conscience politique, c'est de ne pas laisser le pays sombrer ou éclater ou autre. Et donc, il faut mener la chose, mettre un pied dedans, voici ce qu'il y a, et on va y aller. Je vous ai dit, les cris se sont répétés
et se ressemblent. Oui. Les gens qui étaient à la tête, qui avaient la destinée de la nation, ils sont sortis, soit relevés, soit brutalement, parfois de manière tragique, et ils n'ont pas arrivé, on n'a pas encore réussi à tendre l'oreille à un peuple qui, lui, sait où le pays doit y aller. Donc, dans ces deux visions, il faut que l'armée ou l'institution militaire, de manière générale, etc., dans son organisation et avec ses divers groupes d'analyse, il faut qu'elle arrive à voir que le pays ne peut plus avancer de la sorte. Dans ce mécanisme-là. Certes, au départ, vous me direz, en faisant son coup d'État, il n'avait pas d'institution, il fallait organiser les institutions, des hommes, etc. Qui doit faire quoi, etc. Les années 80, Chadi s'est rendu compte qu'avec l'ère de la démocratie aidant, il s'est rendu compte qu'on ne peut plus aller de l'avant. Il a fait une tentative, il a été broyé. Mmh, absolument. Mouloud Hamarouch a été voué aux enfers. Lorsqu'il a tenté ses réformes, etc. Ouais, ouais. Et Bouteflika, vous voyez comment il a terminé, ouais. De manière lamentable, ouais. en nous laissant derrière lui un pays, naufrage. Mais un pays où on n'a jamais imaginé qu'il y ait des hommes à haut niveau faire ce que nous avons vu, aussi bien malheureusement dans les institutions militaires, les généraux qui sont en paysan, etc., que dans le civil, et encore, il y a d'autres qu'on n'a pas. Alors, quand on arrive avec ce système pareil, un système de puissance, arriver à ça, je crois que c'est fini. Ce n'est pas qu'il a atteint ses limites. Mmh. Ça y est, il est désaffecté, rejeté, il a éclaté. Qui commande qui ? Nordine Obsat, vous voulez dire quelque chose ? Avant que nous abordions le sujet de l'Ouest. Je voulais dire juste que notre armée, il est certain, il est clair, il est évident, ça crève les yeux, qu'il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de stratégie politique. Niet, zéro. Autant dans les années 90, ils avaient une stratégie, une vision politique, un mécanisme et des manières de la mener, et des hommes aussi, et des relais. Et des ressources. C'est juste ce que et des dire. Ressources. Ils avaient tous. Les années 90 ? Les années 90, disons, même dans. Et avant, et avant bien les sûr. Les politiques. Ah. Les bonnes et les mauvaises. Voilà. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est la plus désastreuse qu'il puisse y avoir. Oui, oui, oui. Ah non, ouais, moi je parle juste comme ça sans qualifier. Il y avait, comme a dit Mohamed le Khalfawi. Il y avait une vision, bonne ou mauvaise, il y avait une vision. Il y avait une vision, voilà, au moins. Alors que maintenant, comme je disais, par rapport à l'économie, dans les années 70, on avait une idéologie politique et on avait une vision économique. C'est la fameuse, celle de Bernice, l'économiste de Montpellier, les industries industrialisantes, quelles qu'elles soient, mais on avait au moins un plan économique. Absolument. On a fonctionné pendant deux décennies, un modèle économique. Tout à fait. Mais alors aujourd'hui, c'est l'anarchie. Il vaut mieux avoir un modèle, même s'il est, je dirais, lacunaire, que de ne pas avoir du tout navigué à vue. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'armée. On navigue à vue. On sait bien, je dirais, on a laissé faire un peuple sans président. Et comme ils sont aussi capables de laisser un président sans peuple. Mais c'est incroyable, un peuple sans président, un Hirak sans représentant. Voilà. Et aujourd'hui, un président sans peuple. Et un président sans peuple. Ils sont capables. Hein. Ouais. Ils sont et des capables. Élections sans électeurs. Et sans électeurs, exactement. C'est incroyable. Donc c'est cette hypocrisie qui aujourd'hui, normalement, avec tous les moyens, on le sait tous, que ce système-là, il faut le dépasser. Donc, revenir à, c'est pas, seulement tendre l'oreille à ce peuple, il faut laisser le peuple décider, c'est-à-dire que toutes les... C'est-à-dire qu'il faut l'écouter. Voilà, l'écouter. Et l'écouter, il faut tendre l'oreille. Toutes les institutions soient l'émanation de la volonté de ce peuple. Je dis écoutez le système lui-même qui vous parle. Quand j'ai dit depuis le début, depuis l'indépendance, les régimes sont venus, se sont succédés dans la tragédie, dans tout ce que nous savons, ce qui s'est passé, des crises. Mais j'ai insisté sur ces crises se ressemblent toujours et se répètent.
Ouais. On prend conscience à ça. Aujourd'hui, quand j'ai dit que ce système-là, il faut lire un peu entre les lignes, lorsque le système-là est arrivé à nous donner ce qu'il nous a donné, la drogue, des présidents qui, je peux mettre l'expression, qui se foutent de notre tête, à l'étranger, Maghrébia qui est coupé, ouais. des actes d'enfants qui se disputent, alors qu'il n'y a pas lieu. Le système nous a amené à ça. Il a vidé les caisses. Nous voyons maintenant et la drogue et autres, les richesses ostentatoires qui sont venues dans ces doux, c'est-à-dire le côté moral de ce système est tombé. C'est mon message à moi, à l'institution militaire, je le dis, moi j'étais enfant, j'étais élevé par l'ANP, hein, je vous le dis, et en tant que fils de chef, j'étais dans l'école des cadets de la Révolution. J'ai été élevé là-bas, j'ai été modelé là-bas, j'ai fait des études, etc. Bon, enfin, comme tous les autres enfants. Et vous avez beaucoup de mérite à être resté démocrate quand même. Ben, j'aime mon pays, moi, j'aime c'est, pas les... J'aime l'Algérie, j'aime ce peuple. Ouais. Je vous assure que je parle parfois avec beaucoup d'émotion et je me le tiens. Ouais. J'ai toujours aimé ça, et d'ailleurs, quand on était enfant, c'est ce qu'on nous disait. Il n'y a que ça. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette armée, il y a beaucoup d'hommes d'honneur qui aiment leur pays et qui souffrent de la situation. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pourquoi on ne tire pas les leçons et on va vers un système où il n'y aura ni telle personnalité qui aurait volé et acheté ailleurs, ni des premiers ministres. Alors, passons, laissons le contrôle par le peuple. Créer du journalisme d'investigation, laissez-nous contrôler, surveiller, et on rendra compte, tout le monde on est concerné. On y viendra tôt ou tard. Laissez-nous devenir citoyens. Tout à fait. Ensuite, on rentrera dans le sujet de Laurent pour conclure. Ce que je voulais dire, c'est que l'armée est un instrument de contrainte par la force, c'est le débat absolument, principal. Absolument. Par contre, c'est aussi une espèce de corps social, et qui a ses moyens de pression sur le politique, quand ils n'affichent pas, je parle sous votre contrôle. Et c'est toutes ces questions-là. Maintenant, va se poser à nous de manière, je pense, responsable. C'est des procédures qui seront et un cheminement qui seront longs à mettre en place, afin que l'armée puisse rester dans son périmètre d'analyse, puisse avoir les moyens de pression, puisse nous aider de manière diplomatique, puisse donc avoir des services performants, tout en Se confinant dans les prérogatives constitutionnelles que leur a fixé le peuple. Même dans les pays démocratiques, l'armée a un rôle. Un rôle, et c'est ce que je l'ai dit. Bien entendu. Voilà, alors moi j'aimerais, il ne reste plus de temps, c'est incroyable. Pendant tout le Hirak, il ne s'est pas déclenché une telle violence contre des manifestants comme en ce moment, surtout depuis deux jours, à Warren, arrestation, très mauvais traitement dans les commissariats, torture, vexation, injures contre des femmes, bombes lacrymogènes concentrées sur l'ouest du pays, Warren particulièrement. Pourquoi ? Nous disent les observateurs, parce que le régime veut avoir un seul abcès de fixation sur lequel fixer tous ses objectifs. C'est les ennemis de l'Algérie, c'est ceci, c'est cela. Donc s'il y a une jonction militante entre la Kabylie et les autres régions du pays, où toutes les régions seront placées au même niveau de conscience politique et d'activisme politique, là, ça dérangerait le régime, et là serait la signification qu'il va tomber. Donc ils mettent le paquet pour empêcher. Ça s'est fait à Constantine, et c'est en train de se faire à Oran en ce moment de façon très intense. Alors, votre avis? Premièrement, l'indignation, bien entendu, 400 arrestations. Moi, j'ai vu une vidéo où une jeune fille, la pauvre, elle s'est faite balayer par un costaud policier, ce qui s'est retrouvé par terre. Hacha, comme on dit. Hacha, elle a balayé. Un costaud de 2 mètres. Un costaud, il a continué son chemin. Ça fait mal. D'autant plus que c'est une jeune, c'est une femme, c'est une adolescente. Donc des images comme ça, des scènes comme ça, on aimerait le plus en voir pareil. Mais sinon, moi je suis avec les appels que j'ai entendus. Vendredi prochain, Inch'Allah, tous à Wahran. Vendredi prochain, ce n'est pas Alger. C'est Wahran. Ça sera Wahran, elle va prendre la place d'Alger. C'est-à-dire tous à Oran, ruée totale, d'est, de l'ouest, du centre sur Oran,
pour faire une démonstration de force, de solidarité et aussi de faire corps ensemble contre cette répression. Et à chaque fois qu'une région sera opprimée, on ira tous là-bas, du moins ceux qui peuvent y aller. Voilà, ouais. Ce serait vraiment une bonne réponse, significative, forte et qui est un message très fort. Mohamed Khalfawi. Oui, je l'ai dit avant, dans un appel d'ailleurs sur votre chaîne, où j'ai appelé les policiers pour leur dire votre travail, c'est de me protéger lorsque je sors revendiquer mes droits. Mais soyez sans limite avec ceux qui veulent casser les propriétés de absolument, mes concitoyens. Absolument. Pas le cas de, au c'est fort heureusement. Non, on sait qui casse en fait. C'est des agents provocateurs. Ah oui. Donc, vous en savez quelque chose, vous connaissez bien le... Et j'ai dit, bon, c'est connu à travers le monde aussi. Oui, bien sûr. On n'a rien inventé. Bien sûr, évidemment. Les agents provocateurs, ça fait partie de... Ça existe. Ça existe. Donc, quand je vois le policier, à la télé, je lui demande donc d'essayer de rester dans son rôle et dans sa mission. Dans son rôle. Sinon, comment je vais comprendre ce policier qui a fauché la dame ou la fille? Ce n'est pas son travail. Il est passé outre. Où est la justice? Où est le pouvoir en place? Où est le président qui demande le dialogue? Internez ces gens-là. Il faut procéder à leur arrestation. Moi... Ils ne peuvent pas interner leur propre soudard, ceux qui les protègent. Je veux dire, je reste toujours... Dans la légalité. Dans la légalité. Mais il n'y a pas de légalité. Oui. Celui qui les envoie, c'est lui qui leur demande de casser du manifestant, de ne pas prendre de gants. Mais on va la justice dont vous parlez, c'est une justice qui fonctionne au téléphone. Mais laissez-moi aller dans leur logique. D'accord. Et pour leur dire que votre logique... Voici, oui, vous ne respectez même pas votre logique. Oui. Oui, parce que ce policier-là qui massacre, est-ce qu'il est d'abord dans son état normal? On se demande s'il n'est pas quelque part... Shooté, peut-être qu'on lui a donné la fameuse bleue, là, qu'on a utilisée pendant des années. J'ai du respect pour ce corps qui protège, qui fait ses recherches contre et le voleur et le criminel, etc. Mais il faudrait qu'il sache où s'arrêtent ses missions. Que l'ordre, en face de lui, c'est le citoyen. Ça se voit à l'évidence qu'il a reçu l'ordre de le faire. Ah oui. Parce que depuis le 22 février, il n'a pas fait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on lui a dit, non, attention, il ne faut pas provoquer les gens, il ne faut pas les pousser à la violence. On n'a pas besoin de violence pour le moment. Mais là, on lui a dit, vas-y, casse du manifestant. Tape-les, taille helhem. Torturer dans les commissariats, Derlemak ou Derlemak, ça se voit. Qui donne l'ordre? Est-ce un pouvoir? Le régime. Le pouvoir. Est-ce un pouvoir ou est-ce un zélateur? Non, mais ça peut pas. Un zélateur ne peut pas se faire à un niveau régional comme ça. C'est pas possible. Ahmed Gaïd Salah. Absolument. C'est lui. Oui. Tous les ordres viennent de lui. Ah, oui. Que ce soit la police, personne n'aurait pu prendre la responsabilité de faire exploser toute une région. Si ce n'est Gaïd Salah lui-même. Ah, moi, je prends la responsabilité, parce que je l'ai entendu. J'essaie de raisonner. Dans une discussion comme ça, il faut des gens sages comme vous. Dans les deux cas. Et des trublions comme nous. Dans les deux cas. Oui. Dans les deux cas. Que ce soit le chef d'état-major, le vice-ministre de la Défense, ou le zélé qui a cette capacité de donner des ordres, ça se rejoint. Oui. Et on comprend ça. S'il n'est pas relevé, ça veut dire que ça vient d'en haut. Oui, bien sûr. Oui. Le souci, c'est que... Pardon, vous voulez terminer, pardon, monsieur. Allez, je vous en prie. On revient sur le policier. Il a ses missions et ses attributions. Il doit se limiter à ça. Mais voici, je suis arrivé à d'autres conclusions, telles que lui, s'il ne va pas au-delà, peut-il assurer sa paix ou sa fonction? Oui, il peut l'assurer, ça lui a donné l'ordre de rester dans les limites. Non. D'où les gens, lorsqu'ils demandaient des syndicats, et qu'on refuse toujours les syndicats, parce que le syndicat le protège. Et quand il ne veut pas appliquer, parce que ce n'est pas dans ses prérogatives, le syndicat est là aussi. Donc on va aller dans un système de démocratie, de respect, de justice.
dont nous rêvons. Mais ça, c'est l'idéal, ça. Oui. C'est ce qu'on rêve. C'est l'idéal rêvé. Et je voulais en venir à ça, à cet idéal-là, encore une fois, au pouvoir depuis les présidents. Et ce n'est pas avec Tebboune que vous allez l'avoir, cette idée. Alors, dernier tour de micro, Edir. Non, ce que je voulais dire, pour Oran, d'abord, c'est comme l'a dit Nordine, c'est l'indignation. Il y a eu des moyens disproportionnés pour pas grand-chose, quand on voit les images. Oui, c'est disproportionné. Je souscris à l'idée de M. Khalfawi, quand il dit les périmètres et les attributions, il faut se poser la question, pourquoi Oran et pourquoi aujourd'hui? Et d'après vous, pourquoi Oran? En tout cas, moi, je connais quelques militants à Oran, des militants de gauche, et je me dis, ils veulent à tout prix singulariser, parce qu'Oran, ça a été ils ont marché très souvent, ils ont eu des slogans percutants. – Et les principaux leaders sont en prison, il faut l'appeler. – Oui, entre autres, il y a eu… – Tout à fait, c'est exactement ça. – Saïd Oudor, le journaliste. Oui. Et puis, Oran, c'est quand même la deuxième ville du pays. C'est important aussi. Baudor, Saïd Baudor. Oui. À ce niveau-là, je pense qu'on doit apporter toute notre solidarité à nos amis oranais. Et comment leur manifester cette solidarité? Nordine a lancé la piste et pourquoi pas. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de faire que le vendredi, Inch'Allah, qui arrive, soit la grande manifestation aura pour centre Oran. Ça veut dire que tout le monde va aller à l'Aljaya, comme ils faisaient avant, donc ils iront à Oran. D'ailleurs, il y a eu un très beau message fait par les Bjaoui quand ils chantaient Farhanin Bikom. On est fiers de vous, comme ils l'ont dit, Sabtiart pour le Qbaïl, il y a le Qbaïl, Constantine, Farhanin Bikom. Donc il y avait des groupes de Bjaoui, ils ont fait une vidéo. C'est quand même magnifique, ce régime qui fait tout pour diviser les Algériens et qui a réussi, à les monter les uns contre les autres à un certain moment où on ne pouvait pas sentir les uns. Des discours et on a Sahirak nous rassemble de nouveau, où on se soutient ne serait-ce que par les slogans. On a retrouvé deux mots sur ce plan. Vous n'avez pas terminé. Le dernier passage après. Allez, Donc le premier Oran, j'ai aussi une autre manière de voir pourquoi Oran, parce que tu as posé la question tout à l'heure. Il se trouve que j'ai passé mon service militaire à Oran. J'ai passé 18 mois. Navale. Moi j'étais à la région, j'étais au commandement militaire. J'étais à côté de Hossein Ben Maallem. Tous les enfants de l'ANP, moi, j'ai passé mon service militaire. Moi, j'étais sous-lieutenant, j'étais dans le service protocole. Je connais très, très bien la région. Et parce qu'Oran, il ne faut pas oublier, on peut dire que c'est une ville garnison. Oui, bien sûr. Ah oui. Deuxième région militaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des alliances dans les mariages, il y a le voisinage, la maison du capitaine ou commandant à côté de celle de... Enfin, c'est la grande. C'est la grande ville, la grande ville. Donc, c'est important aussi que l'armée, encore une fois, donc par le biais de la police, impose ça. Sinon, mon dernier mot, c'est que le Hirak pouvait être et peut toujours être le moyen, le facteur qui va nous faire sortir du cercle vicieux du système. On est tombé dans ce cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux vers un cercle qu'on appelle vertueux, on a le Hirak aujourd'hui comme seule porte, comme seul moyen, ne laissant pas plan, passer. Sur ce plan, de manière pratique, je dis, et je le dis parce que c'est un constat qu'ont fait tous les Algériens, le président de l'État a failli. Et on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Aujourd'hui, celui-là qui appelle au dialogue, il est responsable de ce qui se passe à Oran, de ce qui se passe au douar de mes grands-parents, dans le Haut-Constantinois, il est responsable de tout ça. Il prend ses responsabilités avant d'appeler au dialogue, si dialogue il y aura. Et avant de définir son dialogue également. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'il assume ses responsabilités d'abord, et ensuite, s'il les assumera, alors on va dire peut-être que c'est un chef, peut-être qu'il va quelque part. Sinon, il est responsable. Même ici de la fraude, il est responsable. Il a pris ce fauteuil de président de la République. Il préside à la destinée de la nation, de ce peuple-là. Pour moi, il ne préside pas, il n'est pas mon président. Non, d'accord, je ne le confie aucune responsabilité. D'accord, je partage avec vous. Ouais. Mais puisqu'il se le dit, assume-le. Non, il n'a pas la légitimité du pouvoir, disons les choses. Il n'a pas la légitimité du pouvoir, mais il a le pouvoir de fait.
Il est là. Oui. Et voilà. Il a le pouvoir de fait. Il est responsable. Il est responsable du fait, le pouvoir de fait qu'on lui a donné. Je ne dis pas qu'on l'attend sans, tout. Sans la légitimité. Ouais. Je ne l'attends rien du tout. Ouais. Je ne dis pas qu'on l'attend. Je lui demande, en tant que citoyen, que s'il se passe quelque chose, vous êtes responsable. D'assumer, d'où monter cette idée, ce qu'il dit. Moi, je vais avoir une note un peu plus, disons, je dirais pas... un peu plus, même pas optimiste. Moi, j'invite nos camarades du PAD d'Alger, Mohsen Belhabès, M. Lascris, Mme Soubida Atsoul et tant d'autres, de ne pas tomber dans ce piège de la négociation 1. Qu'ils clarifient leur position. C'est-à-dire de l'appel au dialogue. Qu'ils clarifient leur position. Qu'ils essayent de faire corps avec le Hirak. Il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup de citoyens qui disent les partis sont disqualifiés, etc. Rien n'est disqualifié. Nous avons besoin de retrouver une communauté de destin avec des personnalités nettes, claires, crédibles, propres. C'est toutes ces questions-là qui doivent nous agiter sur les 2-3 mois. Il y a un appel l'organisation d'assises de la transition qui est sortie par des collectifs ici à Paris, et c'est des collectifs qui ont pris de l'ampleur. Il y a plein de collectifs aux États-Unis, partout dans le monde, qui appellent à la transition. Tout ça doit converger vers un seul but, d'abord disqualifier cette élection, pacifiquement, politiquement, ne pas... Et je peux dire une chose, c'est que maintenant, les partis politiques qui existent en Algérie, les personnalités, tous ceux qui ont une espèce d'influence, doivent clarifier leur position. Ils sont légitimes à appeler maintenant à une désobéissance citoyenne, je dis bien, puis après une désobéissance civile. C'est toutes ces questions qui doivent nous agiter. Je ne parle même pas de la représentation du Hirak. C'est toutes ces questions-là politiques. C'est des questions politiques qui doivent trouver leur solution sur les 2 mois qui viennent. Voilà, et j'aurai merci. Terminé. Merci. Alors, merci Dirou Nourin, merci Mohamed Khalfaoui, merci Nourdine Aoussat. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je rappelle juste, pour information, que les détenus politiques du régime n'ont délégué personne pour dialoguer en leur nom. Bien au contraire. Je suis sûr et certain qu'ils sont très fâchés que certains opportunistes parlent en leur nom et pour leur libération. Sinon, les Algériens jusque-là, et je ne me lasserai jamais de le dire et de le redire, se sont distingués par le pacifisme le plus beau qu'on ait jamais rencontré dans l'histoire des révolutions populaires de l'humanité. Et encore mieux, ce peuple algérien que le colonialisme a tout fait pour diviser et que le régime a tout fait pour diviser encore davantage, il est en train de prouver magnifiquement que sous les cendres de la détestation, de l'exécration, de la haine, il y avait de l'amour, il y avait de la solidarité, il y avait du compatriotisme. Et nous resterons unis envers et contre tous, vent debout pour la liberté de ce pays.